Bonjour tout le monde, c'est Bibi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour la suite de Prison Architect. J'ai un petit peu avancé sans vous, histoire de se refaire un petit peu une santé financière. J'ai rien fait en termes de construction, etc. Je vous ai attendu, donc j'ai laissé un petit peu les choses se faire toutes seules. J'ai vraiment rien fait de spécial. J'ai juste pris une quête qui m'a permis d'avoir 15 000 en plus, qui est avoir un taux de récidive de prisonnier de moins de 30%. Voilà, et ça m'a permis aussi d'analyser un petit peu les choses et de voir un petit peu ce qui allait, ce qui allait pas, et aussi bah, de pouvoir voir aussi en fonction de vos commentaires. Vous m'avez déjà expliqué pourquoi les chiens s'endormaient sur le chemin de ronde, tout simplement parce qu'il faut construire un chenil. Et voilà, chose que je ne savais pas. Donc j'imagine que ça doit être une pièce à part entière, le chenil. Mon avis, voilà, regardez, il est là. Donc c'est pour ça en fait hein, qu'on avait ce souci-là. Mais pour le moment, c'est pas vraiment important. Chose qui est importante déjà, c'est améliorer un petit peu leur envie de diminuer, pardon, leur envie de pouvoir récidiver. Et je voulais faire des cellules d'isolement. Et je pense qu'on va changer un petit peu les choses. Alors, est-ce qu'on a des cellules d'isolement qui sont toutes faites? Cellule d'attente, cellule partagée. J'ai pas l'impression qu'on ait des cellules d'isolement déjà préconfigurées. Alors, si c'est dans quelque chose, c'est dans quoi? C'est dans les oranges. Orange, on a basique amélioré, cellule solitaire, cellule de luxe partagée et ça, attente. Alors, ça, c'est. Ah, cellule solitaire. Ah, c'est peut-être ça. Hein. Ouais, c'est ça. Ça serait considéré comme des cellules d'isolement. Et je pense qu'on va les faire là. Parce qu'il nous en faut beaucoup, je me rends compte que ils sont énormément à chaque fois à récidiver et à pas prendre en compte ce qu'on leur demande. Quand je fais des fouilles générales, j'ai trop de personnes qui attendent justement d'être placées en cellule d'isolement, donc on va en faire pas mal. Hop, hop, hop et hop. On supprimera celle-là, bien sûr. C'est le but. On va mettre un mur ici, je pense. Voilà. On va mettre une petite porte. Alors, attendez. Les petites portes, elles sont où déjà? Elles sont là. Porte du personnel pour qu'ils aient pas besoin de faire tout le tour. Hop. On va bien sûr fermer ici. Donc le but, ça va être de supprimer celle-là et de pouvoir faire une autre salle de classe à côté. Pour pouvoir améliorer aussi notre parcours de formation. Alors j'ai fait une largeur de 3, c'est pas très grave. Par contre, ici on a un sol que j'aimerais bien enlever. Démolir objet peut-être. Non. Revêtement, j'arrive pas à savoir. À vendre revêtement de sol, non. Pourquoi je peux pas le remplacer celui-là? J'en sais rien du tout. J'aimerais pouvoir l'enlever. Bon. Très bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi une fouille comme ça? Ah oui, c'est vrai qu'on a demandé une fouille toutes les semaines ou toutes les. Je sais plus quoi. Oula, on s'est pris des amendes là. Pourquoi on a. Ah mais non, mais c'est nos constructions de tout ça. Qu'est-ce que je suis bête. Service. Bien sûr, il va falloir mettre de l'eau dans toute cette histoire. Donc on va prendre le grand tuyau qui va venir jusque là. Voilà, qui va traverser comme ça. Il va prendre les petits tuyaux pour faire ça. Hop là, voilà. Et on va attendre. Ouais, c'est bien des portes d'isolement, donc c'est parfait. Et normalement. Ça devrait aller assez vite, hein. Enfin, j'espère en tout cas. Ouais, parce que regardez, on trouve toujours des choses. Et regardez, il y en a 4 qui sont en attente. Déjà, c'est plein quand c'est comme ça. Et quand on fait une fouille générale, je peux vous dire qu'il en faut encore plus. Donc, on va mettre la dose, histoire de leur faire comprendre que c'est pas la fête, hein. Moi, je sais pas pourquoi on a un truc comme ça là qui s'est mis. Non, en fait. Voilà. Aucune idée de pourquoi c'était en route. Je ne sais pas comment on enlève ce sol là. Des fois, c'est un peu
pénible, je trouve. Retirer tunnel. Démolir, dégager intérieur, peut-être. Non, c'est pas ça, hein. Ah, démolir, ok. Parfait. Pense que c'est bon. On verra bien, c'est bon. Le niveau de contrebande de la prison échappe à tout contrôle. Ouais, on a un petit peu trop de contrebande, je sais. C'est pour ça que l'isolement devrait arranger un petit peu les choses. Parce que ça devrait les, on va dire, leur couper l'envie de faire de la contrebande. Là, c'est un petit peu trop. C'est un petit peu trop YOLO, je trouve, à ce niveau-là. Voilà, pareil, on a un nouveau verrou ouvert, je sais pas pourquoi. Ils sont en train d'installer les tuyaux. Allez. Et voilà, après le prochain objectif, c'est de construire une autre salle de classe pour continuer nos programmes de réhabilitation, parce que ça c'est important. Notre taux de récidive, voilà, il doit être à moins de 30%, on est à 31%, donc si on continue à libérer des prisonniers qui ont des bonnes... qui continuent à suivre les programmes, ça ne sera que mieux. Voilà, c'est parfait. Alors, j'espère qu'on va pas avoir de bug parce qu'on a mis des murs communs. On verra bien, mais. Enfin, qu'on fasse passer l'électricité aussi, forcément. Parce que là, il n'y en a pas. Service. Service, service. Électrique. Câble électrique. Voilà, on va passer un câble ici. Je pense que ça suffira. Pas besoin de faire plus. Du coup, c'est ça qu'on a ici. Je sais pas pourquoi ça reste tout le temps ouvert. Ah bah ça a l'air d'être pas mal, hein. Ça a l'air d'être pas mal. Ils ont l'air de faire bien les choses. Alors c'est déjà considéré comme des cellules d'isolement, donc c'est parfait. C'est parfait. On va demander à déjà démolir tout ça là. Alors démolir ça. Alors pas tout ça parce que là sinon ils vont pouvoir passer. Mais au moins démolir voilà jusqu'à là. Pas ça. Voilà, c'est super. On va du coup annuler. Ça, il va falloir le refaire. Je sais pas pourquoi je l'ai démoli, ce mur. Voilà. Ça, on va la. En cours, jeter, parfait. On va annuler, bien sûr. On va annuler les pièces. Alors comment on retire les pièces déjà? Ouais, clic droit. Voilà, nickel. Ok, ça on va la changer par une autre porte, mais il faut qu'on attende que ce soit tout fini. Alors ça veut dire que pour le moment on n'a pas d'isolement, c'est un petit peu dommage. Alors on a des salles de classe qui sont préfaites. Bah, c'est parfait au niveau de la taille. La taille, c'est parfait. Hein. On va faire ça comme ça. C'est bien, ils ont enlevé les murs là. Par contre, il va falloir qu'ils aillent vite parce que il y a beaucoup de murs qui sont sans rien là. Donc, j'espère qu'ils feront attention. Parfait. On va jeter ça et on va mettre une vraie porte. Hein. On va attendre qu'ils s'en occupent. Alors après, on verra du coup si on arrive à mettre plusieurs programmes de réhabilitation parce que c'était un peu ça le but. Du coup. Allez, on laisse en 3-4. Il reste plus que celui-là. Mince, je me suis trompé ici, là. Punaise, je me suis trompé à plein d'endroits, en fait.
Putain, on avait fait les choses bien là et j'ai foiré là. Punaise. Je pense qu'on va démolir tout de suite tout ça là. On va démolir tout ça. Et on va les refaire correctement. Ah, ça m'embête parce que c'est de l'argent investi pour rien du coup. Cellule solitaire. Voilà, comme ça c'est mieux. Revêtement pierre. Parfait. Et on va finir ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre notre mur là, comme ça. Et on va redemander construction rapide. Cellule solitaire. Là, on va être bien équipé, hein. Voilà, on va rajouter ces deux ici. Ce sera pas mal comme ça. Alors, pourquoi l'électricité passe pas, par contre? Parce qu'il nous manque un câble, en fait, hein. Non? Attends, il est là. Qu'il est pas passé encore? Ah, on a peut-être pas assez de jus, non? Bah si. Pourquoi il passe pas le câble? L'électricité passe pas là. Il faut pas, on n'a pas besoin que ça passe normalement dedans. Prends pas là. Si on les déplace, peut-être que ils vont les reconnaître. Ouais, c'était juste ça en fait. Ok. Pourquoi pas? Alors, est-ce que la deuxième classe est utilisée ou pas? On va regarder. Non, pour le moment, non, c'est pas utilisé. On va regarder s'il l'utilise et s'il l'utilise pas, on pourra normalement, je pense, mettre un autre programme, à mon avis. J'espère, en tout cas. On va voir ça, hein. On va mettre des murs en béton. Même là, l'électricité, elle passe pas. Pourquoi? C'est trop loin. Bon, bah, on va refaire un autre câble ici, hein. C'est pas grave. C'est pas très grave. Là, c'est pas mal, hein. Ouais, faut qu'ils reconstruisent tout ça. Ils ont du boulot. Bon, on a perdu beaucoup d'argent, là. On a perdu beaucoup d'argent, mais c'est pas grave. Ça nous a coûté cher en travaux. Réhabilitation, logiquement, maintenant, du coup, on va pouvoir mettre un nouveau programme, je pense. Normalement, on a ce qu'il faut. Est-ce qu'il nous le dit? Formation scolaire générale. Thérapie, panneau solaire, résolution de conflits. Programme 3 fautes. Contenu. Alors, c'est que ça se trouve dans quoi? Dans salle de réunion, salle de classe avec un psychologue. Ils sont 27 intéressés. Alors, si on le met, est-ce qu'ils vont le prendre? Il est où? Formation 3 fautes. En tout cas, ça a l'air d'être pris en compte. Donc, logiquement, ça devrait bien se passer. Logistique. On verra. On va voir s'ils y vont ou pas, s'ils vont dans cette classe. Mais s'il y en a 19, il va falloir qu'on rajoute du coup des. Il va falloir qu'on rajoute des salles de classe. Ah, regardez, là, c'est mieux. Des pupitres, pardon. Et là, je pense qu'on peut déjà en rajouter parce que. Je pense qu'on peut en mettre là. Hein. Pas que ça gêne quoi que ce soit. Celui-là, on peut le déplacer. Ah mince. Ouais, non, on va le laisser là.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bon, qu'est-ce qu'ils font mes ouvriers là? Ah ouais, mais il y a beaucoup de matos qui arrivent petit à petit. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ils font rien? Il y a un blocus. Prends pas là. On a trop d'objets là. C'est ça? Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Ouais, j'étais tout ça là. Parce que c'est tous ces sacs de farine là. Voilà. Et comme on jette un peu des choses, je pense. Je sais pas pourquoi on a autant de sacs de farine. Pour la boulangerie, mais normalement ils sont censés être utilisés. Virer tous ces trucs là. Ça nous en apporte encore là ou je rêve? Non. Ok. Ouais, il nous faudrait peut-être des espaces plus grands là. Peut-être la déchetterie, on aurait peut-être pas dû la faire aussi grande, peut-être. Je pense qu'il y a des choses à optimiser à ce niveau-là. Mais ça en ramène encore des sacs de farine, c'est dingue ça. Hop, allez, super. Ils sont en train de terminer. Ah oui, effectivement. Voilà. Eh ben c'est pas mal tout ça là, ces petits sols, ces petites zones d'isolement là, dalles en béton. Par contre, ouais, on va mettre des dalles en béton partout. Ça me va bien comme ça. Voilà, où est-ce qu'ils la font cette formation formation 3 fautes là? Mais ils la font où? Ils la font ici du coup? On comprend plus rien. Ouais, peut-être parce qu'il faut, il faudrait peut-être un deuxième psychologue, hein, c'est possible. Non, c'est quoi ça? Formateur. Ah, c'est juste que c'est pas la même heure. Mais du coup, personne n'utilise cette salle là? C'est ça qu'ils sont en train de me dire. Atelier. Moi, je veux des choses dans des salles de classe. Salle commune. Menée par chef. Ça faudrait que ce soit dans une salle de réunion. Cuisine. Ça, il pourrait le faire, hein. Ça rajoute encore des choses, mais c'est pas grave, hein. Il faut qu'on rajoute du coup du travail carcéral. 6. Ça va peut-être nous permettre de congédier un peu de cuisinier là. Je sais pas. Non, on va garder nos 5. Regardez tout ce qu'il y a là. Ça va pas, hein. Et là, attention, hein. Faut qu'on rajoute des petites lumières, je pense, quand même. Parce que là, il n'y en a pas assez. On va quand même rajouter des lumières, pas des bêtes. C'est vrai qu'on la déplace celle-là. Ok. On va pouvoir démolir ce mur. Et pouvoir mettre un autre mur ici. Voilà.
Alors, taux de récidive, on en est au 31% toujours, parfait. Il n'y a pas eu de nouvelle récidive, donc ça c'est nickel. Ah, ça ne sert peut-être à rien d'avoir fait deux salles de classe, du coup, il faudrait peut-être qu'on fasse peut-être une salle de réunion à la place. Alors, je me rends pas bien compte, les salles de réunion, c'est ça. Ouais, c'est à peu près la même taille, un peu plus petit. Ça peut être une bonne idée. On va peut-être démolir tout ça, tant pis, hein. C'est dommage, mais j'ai pas l'impression que ça soit très utile en fait. Donc, on va faire une petite salle de perso, une petite porte personnelle. Voilà. Est-ce que j'ai toujours, ouais, toujours cette farine là? Je sais pas pourquoi. J'ai kilo de farine. Je sais pas trop pourquoi j'ai tout ça. Ah bah non, voilà, c'est utile, c'est bien ce qui me semblait. Parfait, ça me va. Voilà, on va pouvoir démolir ici. Ok, donc ça va, pas de regret, c'était bien utile finalement. Ok. Allez, on va faire une petite fouille générale. On va attendre le soir. Et comme ça, on va voir si on a assez de cellules d'isolement. Mais je pense, hein, je pense à mon avis que c'est une bonne chose. Réhabilitation, on est toujours à 2. Hein, mais bon, ça devrait monter encore, hein, normalement. Ça va monter petit à petit. Au niveau finance, ça va. Hein. On a beaucoup investi, mais on est revenu à l'équilibre. Une fois qu'on aura fait cette quête, ça va nous donner 25 000 en plus. Ce qui est beaucoup, hein. Et là, on a rajouté un programme ici, on a rajouté un programme là. Donc c'est bien, hein. C'est vraiment bien, hein. On va attendre le soir et on va faire une petite fouille générale. Les ateliers, ça commence à intéresser aussi, donc... De toute façon, on peut le voir, hein. On a fait que des choses qui intéressent. Alors, les réussites augmentent. Donc, c'est très bien. Ça, c'est normal, ils viennent de commencer. Apprentissage à la menuiserie, on pourra le faire, hein. Plus on va mettre de programmes et plus ils vont progresser. Après, bon, bah, le problème, c'est que c'est plus ça va coûter cher. Donc, faudra qu'on repasse par une étape de détenus supplémentaires. Mais comme on avait dit, je veux qu'on sectorise, hein. Donc ça sera, je pense, pour la moyenne sécurité, parce que c'est des chambres, on va dire, assez moyennes. Et on fera des cellules de luxe, entre guillemets, enfin des belles cellules, comme on a ici, voilà, cellules de luxe, pour les basses sécurités. Voilà. Parce que, il n'y a pas de raison qu'on les utilise pas. Et autant les utiliser pour ceux qui sont là pour pas grand chose, on va dire. Enfin, pas grand chose. C'est jamais pas grand chose, mais vous m'avez compris. Je comprends toujours pas ce que c'est que ces trucs-là. C'est vrai qu'on devrait peut-être mettre ça là. Avec mes murs en béton ici et démolir cette partie-là. Ça fera moins étrange. Voilà. Avec un sol, on va reprendre le sol. Hop. Ça sera mieux, je pense. Ça, on va la déplacer parce que ça va me stresser sinon. Ah oui, j'ai oublié, fouille générale. Allez, let's go. Non, pas tunnel, c'est pas tunnel. Bon, on va faire tunnel aussi. Oula, bah, tunnel, on a bien fait de le faire. Visiblement. Allez, ça va faire du monde en isolement déjà. 13. En attente d'isolement. Bah là, ils ont la place, hein, normalement. Hein. Pourquoi ils les amènent pas? Pourquoi? Pourquoi ils les amènent pas?
comprends pas là. Il y a un petit bug dans la matrice là. Ouais. On va faire une fouille générale. On voit pas pourquoi ils les ont pas amenés, mais. Là, du coup, on va en avoir deux fois plus. Alors, c'est peut-être le même bug qu'on a eu la dernière fois avec les cantines, hein. Faudrait peut-être attendre le lendemain pour que ça se corrige. C'est très bizarre ce qui vient de se passer. Ouais, je pense qu'il va falloir attendre le lendemain. On a, je pense, le même bug que la dernière fois. Hein. Un peu pénible ça. Il y a des choses que j'arrive pas à enlever, je comprends pas pourquoi. Oui, bah, d'ailleurs, on m'a posé la question ça sur un commentaire. Est-ce que le jeu est. Apparemment, le jeu a une réputation d'être un jeu assez buggé. Alors, je trouve que c'est vrai qu'il y a beaucoup de bugs, sachant depuis combien de temps il est sorti, mais. Après, pour le moment, ça va, c'est pas trop gênant, même si bon, là, ça peut nous faire une émeute pour pas grand-chose au final, alors qu'on a tout ce qu'il faut pour pouvoir, hein, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir les mettre en cellule d'isolement. Donc, il y a des choses qui sont un peu étranges. Des fois, il y a certaines. Bah voilà, il y a de. Ouais, je sais pas trop. J'espère que ça va passer. J'espère que ça va passer. Ça devrait passer normalement. Ah, ça fait tout de suite beaucoup moins de monde dans les programmes. On a la moitié de la prison qui sont bloqués dans leur cellule. Donc je pense que c'est pas génial. Quelle heure il est là? On y met tôt le soir, heureusement. Ah, j'ai rien pour les débloquer en plus, hein. C'est un peu le problème. C'est que j'ai pas grand-chose pour pouvoir les débloquer. À part attendre. J'espère que ça va le faire. On a toute la boulangerie qui est. Visiblement, qui a l'air d'être bloqué par la situation. Alors, j'ai vu aussi que au niveau de la logistique, regardez ici, on est vraiment à la limite. Hein. Donc, le jardin, enfin, peut-être qu'on choisisse un autre endroit plus tard pour faire le plus grand. Je ne sais pas encore où, mais là, ça a vraiment l'air limite. Des fois, on était même à plus que ça. Donc. On verra. Allez, il faut que le bug passe là, par contre, parce que sinon on va avoir une émeute, hein, je pense. C'est bien, ils sont en isolement, mais. Ça me va pas, moi. Ça me va pas qu'ils restent aussi longtemps. Mettre un terme. On peut faire ça, peut-être. Ouais, ça a l'air de fonctionner. On va faire comme ça, hein. On va faire comme ça parce que sinon ils vont péter un plomb là. C'est là qu'on voit que bon, il y a quand même des petits bugs, hein. Alors j'espère que ça va pas me le refaire. Que c'était juste passager. Normalement, j'en ai pas oublié s'il y a lui. Lui, c'est bon. Lui aussi. Ils ont toujours les menottes, certains. Ok. On
On va voir. 19 demandes de conditionnel. Ah ouais, les conditionnels, enfin peut-être qu'on en fasse un peu plus. Et je pensais qu'on pouvait en faire plusieurs en même temps, mais non, visiblement, c'est vraiment une par une. Hein. Voilà, c'est peut-être parce qu'on n'a qu'un seul. C'est peut-être parce qu'on n'a qu'un seul. Avocat, peut-être. C'est possible. On va essayer de mettre un deuxième avocat. Non, je pense pas. On va attendre qu'il y en ait au moins un qui soit remis là-dedans avant de refaire une fouille ou un truc comme ça. Système de contrôle des portes, ce serait bien qu'on le recherche, effectivement. Ah, mais on l'a recherché déjà, alors c'est quelque chose qu'il faut installer du coup. Oula, c'était quoi ça? Pas d'accès? Comment ça? Comment ça, pas d'accès? Attendez. Qu'est-ce qui se passe là avec cette porte? On a un souci là. Et je peux pas la changer là. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Porte. Et monter. Ah, c'est pour ça qu'on avait un souci alors. On va mettre une porte. Porte à distance. Peut-être qu'elle va pas bugger comme ça. Portail routier. Oh, on peut mettre un portail routier. Ça fait quoi ça? Ah oui. D'accord. Peut-être permettre de fouiller certaines choses. Ok, on va jeter ça. On verra plus tard comment ça se passe. On va mettre une porte. Voilà, là les cellules d'isolement sont bons. On va refaire une petite fouille générale, voir si ça fonctionne. Au pire des cas, on laissera ouvert, c'est pas très grave. On n'a pas besoin de mettre une porte ici. Ça nous fera juste démolir voilà, ce mur-là et ce mur-là. Allez, on va voir si ça les fait planter cette fois. Voilà, super. Allez. Regardez, même comme ça, on en a encore pas assez. Hein. Alors, on en a pile assez. 16 sont en isolement. Ça va leur faire du bien, je pense. Je pense que c'était un mal nécessaire. Hein. Comprends pas, toujours pas. Je comprends toujours pas. Voilà. On les fait sortir. C'est bon. C'est nickel. C'est bien fonctionnel. Et je pense que la répression du coup va augmenter grâce à ça. C'est parfait. Ok. Bon. Est-ce qu'on... Ouais, on a assez d'argent hein, pour pouvoir faire notre petite salle de réunion. Ce serait bien de la mettre quelque part, je pense. On pourrait peut-être la mettre là. Pourquoi pas? Allons-y, hein. Allons-y. Niveau clôture. Il va falloir que celle-là, elle passe là et là. Et là, il nous faut notre chemin de deux. Comme ça. Et il va falloir démolir ça et ça. Et ça et ça. Et refaire une autre clôture. Ici. Voilà, normalement ça devrait être bon.
Ah, il y a des clôtures qui se relient pas, c'est peut-être parce que j'ai pas mis les mêmes. Tu vois que j'ai mis certains à certains endroits, j'ai mis des clôtures avec herbe, d'autres sans herbe. Alors c'est peut-être pour ça qu'on rencontre des soucis sur les bords. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Ce que je me disais, parce qu'il y a des. Il y a des endroits où les clôtures, on dirait qu'elles se ferment pas, mais parce que c'est pas les mêmes. On n'a pas pris des clôtures herbes. Donc du coup, ça faisait pas la jonction. Ok, allez, on va mettre notre salle de réunion en place. Ça va nous permettre de peut-être améliorer la santé. Parce qu'on va pouvoir faire des réunions toxico là. Bon, je regarde ce qui est beaucoup en attente. On a la guidance spirituelle. Ouais, mais ça, il faut une chapelle. Ah, consultation avec un détenu réhabilité, ça peut être bien ça. Je pense. On va le commencer. Pas de salle disponible, ça va arriver. Ne fais pas de soucis là-dessus. Voilà, je préfère qu'on fasse toutes les salles avant de sectoriser comme je voulais faire. Et une fois que ça sera fait, on pourra commencer un petit peu à ça. Parce que là, on a besoin de ces revenus-là. Et pour ça, il faut qu'on descende la récidive. Et pour descendre la récidive, il nous faut tous ces programmes. Donc ça nous coûte un petit peu d'argent au jour le jour, mais c'est un mal nécessaire. C'est vrai que du coup, ouais, il y a vraiment peu d'espace, hein. Il y a vraiment très très peu d'espace sur certaines choses. Mais bon, ça, c'est notre première prison, donc on pouvait pas le savoir, hein. Je rappelle que vraiment, c'est la toute première prison que je fais, hein. Et je trouve que je me débrouille quand même plutôt pas mal, hein. On a une prison quand même, il n'y a pas eu de gros gros problèmes. Ah, oula. Il y a les murs là, ça va pas du tout. Voilà. On va remplacer ça ici. Et du coup, normalement, au niveau du programme, maintenant, il devrait plus nous dire. Voilà, il nous dit plus qu'il y a assez non planifié. Voilà, parfait. Ok, on est bon. On est bon, on est bon. La fouille au niveau du potager. Je crois pas qu'on ait déjà retrouvé quelque chose ici. Et on va attendre, on va voir. Je sais pas ce qu'il patrouille ici, lui, mais. Il patrouille visiblement. Les prisonniers sont sales. Mais ça, c'est leur faute, hein. Je suis désolé, mais là, ils ont ce qu'il faut en termes de douche, hein. Oui, quelque chose. Je sais pas s'il est pas bugué, lui. C'est rien. Ouais, on est presque à 60 jours, bon, je trouve qu'on se débrouille plutôt bien, moi, hein, franchement. Franchement, j'aime bien, hein, ce qu'on fait. Que c'est propre en plus, on est en train de faire un vrai secteur central qui est vraiment bien. Alors après, je sais pas trop comment on planifie les zones. Faudra que je regarde, mais il doit y avoir quelque chose. Peut-être au niveau de la logistique. Voilà, c'est ça, note haute sécurité. Ça, c'est une note pour moi, c'est ça? On peut faire venir des hélicoptères, vraiment. D'accord. On peut avoir un truc de qualité des pièces. Je sais pas trop pourquoi il y en a qui sont à 15 sur 1. Je sais quoi ça. D'accord. Il y en a qui sont mieux que d'autres, visiblement. Je sais pas en quoi, mais. Ah, j'aimerais bien voir la petite salle de réunion. Lui, il a complètement planté, lui. Voilà. Elle va trop poser puisque. Ouais, on voit quand même que effectivement il y a quand même des bugs. Hein. Il va aller mourir plus loin. Dans un coin. Alors, à quelle heure il est notre petit programme là? C'est là. Ça va pas tarder.
Ah, c'est bien fonctionnel. Mais normalement, ça va être bien. Hein. Alors, est-ce qu'il faut peut-être mettre des gens dedans? Parce que c'est vrai que j'ai pas mis dedans. Ah non, c'est bon, ils vont le faire tout seul. Ça, c'est que pour le travail carcéral. Hein. C'est vrai. 9 h. Ah, ça y est, ça commence. Parfait, super. Ok, parfait. Bon, je sais pas avec qui il peut. Ah, c'est lui qui enseigne, d'accord. Pour l'instant, décès. Hein? Ils ont tué mon avocat? Oh mince! C'était la demande de conditionnel? Ah, du coup, j'ai plus d'avocat? Si, ils l'ont remplacé déjà? Ah non, il a tué son avocat? Ah ouais, c'est chaud là. Et je pense que le parloir est trop petit. Punaise! Je m'attendais pas à ça. Grave, hein? Condamné à 35 ans pour crimes multiples, dont meurtre, vol de véhicule. Ah ouais, lui, ça fout, lui. C'est un malade. Haute sécurité, normalement. Eh ouais, mais j'ai pas de. Eh ouais, c'est le problème, ça. C'est le problème, hein? Eh bien écoutez les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. On a encore une fois très très bien avancé, moi je trouve. N'hésitez pas à vous mettre vos petits commentaires pour les améliorations, les choses comme ça. Pensez aussi à rejoindre le Discord, ça nous permettra de pouvoir discuter du jeu. Il y a une totale refonte du Discord qui est en cours en plus. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt les stratèges. Ciao, bye bye tout le monde.